Bonjour et bienvenue sur Europe 1. Nous sommes ensemble pour 2 heures de direct, 2 heures volées à la nuit, pour se parler en toute quiétude, pour échanger, partager vos expériences en appelant le 3921. Je vous rappelle d'ailleurs que le standard est ouvert tous les soirs, du lundi au vendredi dès 22h30, et je vous conseille d'appeler si vous voulez témoigner à partir de ce moment-là, parce que c'est le moment où la ligne est le moins encombrée. Vous y serez accueillis ce soir par Quentin et Justin, sous l'œil attentif et bienveillant de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et vous le savez, à tout moment, comme nous sommes en direct, vous pouvez également nous envoyer vos messages au 7 21 21, en commençant votre message par le mot nuit. Vous pouvez également nous écrire sur le site europe1.fr ou intervenir à tout moment à l'antenne en appelant le 3921. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Alors, je voulais également faire une annonce un petit peu spéciale ce soir, puisque vous n'êtes pas sans l'ignorer, cette émission existe depuis maintenant un peu plus de 10 ans, et à cette occasion nous allons faire la fête avec vous le 9 décembre prochain à Europe 1, puisque c'est avec vous que j'ai tissé ce lien d'amitié au fil de vos confidences nuit après nuit. Alors, si vous avez témoigné et que cela a changé quelque chose dans votre vie personnelle ou dans votre vie de couple, dans vos relations peut-être avec votre famille, avec vos amis, eh bien, appelez-nous, venez nous le dire au 3921, racontez-nous votre histoire et laissez-nous vos coordonnées, votre prénom, un numéro de téléphone où on pourra vous rappeler, et votre témoignage sera ainsi peut-être retenu pour cette soirée du 9 décembre. Et si vous avez envie tout simplement de nous souhaiter un bel anniversaire, une belle décennie à cette libre antenne, de nous dire pourquoi vous êtes à l'écoute, pourquoi vous aimez cette émission, vous pouvez également nous laisser un message au 3921, cette fois-ci avec juste votre prénom, peut-être la ville où vous habitez. Vous n'êtes pas obligé là de laisser votre numéro de téléphone. C'est juste comme ça un petit message de sympathie. Alors, je vous précise, le 3921, c'est le numéro que vous pouvez faire dès maintenant si vous avez envie de témoigner ce soir comme tous les soirs à l'antenne. Donc, si c'est dans le cadre de cette décennie qu'on va souhaiter le 9 décembre prochain, attendez là de tomber sur le répondeur, parce que sinon vous allez avoir Quentin et Justin au téléphone, et ce soir ils doivent travailler et accueillir les gens qui vont témoigner dans cette émission. Donc si vous voulez témoigner dans le cadre des un peu plus de 10 ans de l'émission, attendez bien d'avoir le répondeur, et vous pouvez aussi le faire bien sûr dans la journée, hein, 3921. Benjamin Biolay, ton héritage. Alors, des messages qui arrivent déjà par rapport à cette soirée dont je viens de vous parler, du 9 décembre. On va faire la fête pour cette décennie de Libre Antenne. First Lisa me dit, ah, c'est super, une occasion de boire une coupe de champagne. Oui, une occasion de vous remercier aussi d'être là, parce que sans vous, il n'y aurait pas cette émission. Donc, une occasion de vous mettre à l'honneur ce soir-là. Et puis quelqu'un qui me dit je vous écoute car tel un suricate, je suis à l'affût de faire partager mon expérience ou d'écouter simplement et de glaner des conseils. Alors, les textos, oui, mais ce soir-là, je suis pas sûre de pouvoir en lire beaucoup, parce que ça va pas être conçu. Ça sera une émission un peu spéciale. Ça va pas être conçu vraiment avec des textos. Donc, laissez-moi plutôt des messages, là, je vous dis sur un répondeur 3921. Dites-moi pourquoi vous êtes à l'écoute. Dites-moi, si vous avez envie de souhaiter un bel anniversaire, et puis surtout si vous avez témoigné, si ce
que vous a apporté cette émission dans votre vie, ce qu'elle a pu changer peut-être au travers aussi des échanges que vous avez pu avoir avec d'autres auditeurs. Le subversif me dit à l'oreille de ses 10 ans, la libre antenne aborde donc le déclin de son enfance. Elle fut sage, qu'en sera-t-il de son adolescence? Réponse dans les 10 ans à venir. Ah, l'adolescence, oui, c'est plutôt monté. Nous verrons. L'oiseau de nuit, tiens, est de retour d'un voyage à l'étranger et il est heureux d'entendre une voix amie. Et puis il y a une puriste qui me dit qu'il ne faut pas dire « vous n'êtes pas sans savoir et non pas sans ignorer », qui me dit « amical, pensez quand même ». Ah, j'ai pas. Il va falloir que je note ça. Hein, je suis désolée. C'est vrai que j'ai pas écrit mon texte. C'est de la radio parlée la nuit et c'est pas de la radio lue. Donc désolée, chère puriste. Allez, nous allons accueillir Greg tout de suite. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Donc merci de me recevoir ce soir. Je vous appelle parce que je souffre depuis de nombreux mois d'un terrible toc, celui d'avoir toujours la crainte de mal fermer ma porte quand je pars, qu'il s'agisse de partir 5 minutes pour aller chercher du pain ou c'est un peu moins bien encore quand il s'agit d'aller au travail. Oui. J'ai beau vérifier, m'assurer que j'ai bien fermé, faire 3 fois le tour du pâté de maison et revenir m'assurer que la porte est bien fermée. Malgré tout, je n'en suis jamais vraiment convaincue. Oui. Et c'est toujours une angoisse de me dire qu'effectivement, est-ce que j'ai bien fermé la porte? Est-ce que je ne vais pas me faire cambrioler? Et ça dure depuis des mois et des mois, alors qu'il n'est jamais arrivé une seule fois que la porte soit mal fermée. Oui, elle est plutôt même certainement fermée à double ou à triple tour. Hein. À double tour. Oui, oui. Ça peut prêter à sourire, c'est vrai, mais non, c'est vraiment handicapant. Non. Au jour le jour, c'est vraiment très handicapant parce que je ne peux pas partir l'esprit tranquille et je n'arrive même parfois à limiter le plus possible mes déplacements, c'est-à-dire ne sortir que pour aller au travail, en profiter pour faire une course, parce que j'ai cette crainte vraiment de sortir et d'avoir à nouveau à fermer la porte et de savoir et de me demander si j'ai bien fait, si elle est bien fermée, si personne ne va s'introduire chez moi pour me voler quelque chose. Ça a commencé il y a quelques mois, hein, me dites-vous. Oui, c'est ça. Ça a commencé. Quand, en fait, j'habitais chez mes parents, donc j'avais pas vraiment la responsabilité de fermer cette porte. D'accord. Quand donc j'ai pris mon appartement, c'est là que ça s'est développé de manière considérable. D'accord. Oui, c'est intéressant ça. Donc là, vous vivez seul depuis. Ah oui, je vis seul, tout à fait. Mm-hmm. Comment le vivez-vous de vous retrouver seul? Finalement, comment vivez-vous votre indépendance, votre prise d'autonomie? Bah, disons que j'ai pas mal d'amis, donc la solitude en tant que telle me dérange pas. Mais c'est vrai que j'accorde une telle importance, je dirais aussi, au bien matériel qu'il y a à la maison, etc. Je me sens toujours un peu coupable de partir et de me dire est-ce que je vais tout retrouver là où j'avais tout laissé. J'en viens même à cacher des choses, de l'argent dans les endroits stratégiques chez moi, de peur effectivement qu'on vienne s'y introduire et qu'on prenne quelque chose. Oui, c'était pas vraiment le sens de ma question. C'est-à-dire? Ben, quand je vous demandais comment vivez-vous cette prise d'indépendance, d'autonomie par rapport... Ah. Je ne sais pas, quel âge avez-vous? J'ai 22 ans. 22 ans. Donc, jusque-là, vous viviez chez vos parents? Oui. Et... Alors, en même temps, vous répondez d'une certaine façon quand vous dites « Je me sens coupable de partir ». Alors, en disant... bon, vous cachez des choses, vous cachez de l'argent, vous avez peur qu'on vous les dérobe, mais... Qu'est-ce que ça a été difficile de quitter vos parents? Vous avez peur qu'ils se sentent seuls sans vous? Ça s'est fait un peu bon gré mal gré parce que même me faisait comprendre qu'effectivement à un moment ils aspiraient à se retrouver un peu seuls maintenant que j'étais grand et que j'avais de quoi, je dirais, subvenir à mes besoins matériellement et financièrement. Mmh. Donc je suis parti, c'est vrai que toutes les responsabilités de la vie, tout ce qui est facture, effectivement, me faire à manger, etc., c'est quelque chose qui n'est toujours pas naturel chez moi. Oui. Ça
c'est-à-dire que j'étais beaucoup assisté par mes parents. C'est normal. J'avais très très peu de responsabilités. Oui. Qu'il s'agisse de faire mon lit, etc., des bêtises. Hein. Ma mère tenait absolument à tout faire derrière moi. Oui. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, quand il s'agit vraiment de faire les choses par moi-même, je ne fais pas cette confiance-là, je n'arrive pas à me rassurer. C'est que vous avez du mal un peu à vous prendre en charge dans le quotidien. Exactement. Oui, c'est un peu difficile de ne pas avoir quelqu'un derrière vous. Oui, tout à fait. Oui. C'est vrai que ma mère elle-même le reconnaît. Hein, quand on discute, elle s'accuse un peu de m'avoir trop couvert. Mais en même temps, c'était son instinct maternel. À l'heure actuelle, effectivement, ça ne me semble pas... Enfin, je le fais parce que c'est normal de le faire, mais ça ne me semble pas encore naturel. Il y a beaucoup de choses qui ne me semblent pas naturelles. Oui. Vous vous sentez un peu perdu, finalement. Tout à fait. Dans cet endroit où vous devez apprendre à vous prendre en charge dans le quotidien. Vous vous sentez un peu démuni parce que vous n'avez pas été habitué à cela. C'est votre mère qui s'occupait de tout. Hein? Exactement. Bon, mais ça fait que quelques mois en même temps, Greg. Hein? Mm-hmm. Vous avez emménagé quand là ? J'ai emménagé, ça fait une année maintenant, c'était en septembre 2009. D'accord. Sur le reste, c'est-à-dire en ce qui concerne vous, vous êtes étudiant, vous travaillez ? Non, je travaille. Vous travaillez, d'accord. Oui. Sur le reste, là, vous ne rencontrez pas de difficultés dans votre travail, vous n'avez pas de problèmes particuliers, il n'y a pas de toc dans... Disons que ces tocs ils peuvent se reproduire de manière assez épisodique, notamment le fait de badger quand j'entre, quand je sors. Mmh. J'ai toujours me demandé est-ce que j'ai bien badgé, est-ce que j'ai bien signalé que j'étais parti. Vous voyez, c'est pas mal de choses où je dois à tout prix vérifier. Oui. Est-ce que j'ai bien éteint mon ordinateur? Je vais faire l'aller-retour depuis la sortie jusqu'au bureau pour m'assurer que tout est bien fermé. Alors qu'autrefois, oui, c'est vrai, ma mère vérifiait tout derrière moi. Et puis même si je faisais quelque chose, elle n'avait pas à m'en soucier. Puisque de toute façon, je savais qu'elle passait derrière moi constamment. Elle passait pour tout derrière vous ? Pour tout, oui. Absolument tout. C'est-à-dire ? Que ce soit au matin, elle choisissait ce que je devais... comment je devais m'habiller, si je m'étais bien mal lavé les dents, si je m'étais douché de manière assez longtemps, si j'avais bien déjeuné, si j'avais pris assez d'argent quand j'allais sortir. Jusqu'à etc. ce que vous partiez ? Oui, tout à fait. Donc jusqu'à vos 21 ans ? Tout à fait, oui. Donc jusqu'à vos 21 ans, elle vérifiait que vous vous étiez bien brossé les dents, douché bien comme il fallait, suffisamment longtemps, habillé. C'était pas parfois un peu pesant ? Bah, parfois, effectivement, oui, c'était pesant, mais bon, c'était aussi rassurant, hein, pour certains aspects, quoique à la fin, effectivement, ça pouvait devenir assez pesant. C'est pour ça aussi que quand je suis parti, au départ, bon, c'était aussi un soulagement. Mais depuis, c'est vrai que j'aurais pu penser qu'elle s'inquiéterait de tout, mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, elle m'appelle bon tous les jours, mais elle ne pose pas ses questions. C'est vrai que... c'est pas qu'elle s'intéresse plus à moi, mais pour ces choses-là, elle n'en parle plus du tout. Oui, ce qui ne signifie pas qu'elle ne s'intéresse plus à vous. Mais vous vous sentez un peu lâché. Oui, effectivement, un peu lâché dans la cour des grands. C'est-à-dire, je comprends en même temps, Greg, que vous vous sentiez un peu lâché, parce que il y a un très grand contraste entre votre mère qui a eu un comportement quand même pendant très longtemps assez infantilisant vis-à-vis de vous. Parce que autant s'occuper de tout ce qui concerne les factures et autres à partir du moment où vous viviez chez eux, c'est une chose. Hein, et de s'occuper que la porte soit bien fermée. Après tout, c'était la porte du domicile commun. Oui. Mais ce qui concerne votre hygiène, à 20 ans et même avant, ça
normalement, l'hygiène, ça vous concerne, hein, votre corps, et les parents n'ont plus à s'en occuper, à demander à un grand garçon de 20 ans s'il s'est bien brossé les dents, s'il a passé suffisamment de temps sous la douche. Éventuellement, on peut lui faire une réflexion parfois sur ses fringues, parce que bon, peut-être s'il a un entretien de recrutement ou je ne sais quoi, dire que faudrait peut-être se présenter, qu'il ait quelque chose d'un peu plus présentable, des choses comme ça. Vous voyez, les parents peuvent dire quelque chose, mais il y a quelque chose d'une maman qui effectivement est a du mal à voir que son garçon a grandi. Et puis, presque du jour au lendemain, vous vous retrouvez lâché. Donc, il y a un grand écart. Oui. Donc, ce qui fait que vous vous sentez démuni, parce que comme s'il n'y avait pas eu des paliers. C'est vrai que je n'ai pas vu les choses sous cet angle à l'origine, mais vous avez raison. C'est vrai. C'est-à-dire que normalement, l'autonomie, elle se fait par paliers. Mm-hmm. Disons qu'ils ne m'ont jamais donné beaucoup de responsabilités. D'autant que ma mère était une maman au foyer, hein, qui élevait ses enfants et qui effectivement était toujours à la maison, je me suis retrouvé très rarement tout seul à la maison avec la responsabilité par exemple de fermer la porte, de me faire à manger. Non, ma mère tenait absolument toujours à nous assister, à m'assister particulièrement à ce que tout soit prêt, que je n'ai plus qu'à le faire réchauffer, etc. Si bien qu'aujourd'hui, je me fais. Enfin, quand je mange vraiment au plus vite. C'est des détails. Si on ne me prépare pas à manger, je ne me fais pas à manger. Je veux vraiment manger n'importe quoi pour me rassasier, c'est tout. Oui, alors déjà, il est vrai, Greg, que c'est plus compliqué quand on est seul, hein, entre le déjeuner ou dîner convivial que vous preniez à la tablée familiale, c'est tout de suite plus sympathique, vous voyez, je fais le lapsus, de partager un repas. Que dans les premiers temps de se retrouver seul ou, comme vous dites, vous mangez parce qu'il faut bien vous nourrir, mais pas forcément par plaisir. Il y a moins cette notion de plaisir. Par exemple, j'ai pris un paquet de chips, puis c'est tout, hein, c'était pas agréable, mais bon, j'ai mangé. Voilà, oui, mais en plus, bon, non seulement c'est pas forcément agréable, mais c'est vrai que c'est pas, en termes nutritifs, c'est pas génial. Vous n'êtes pas le seul dans ce cas. Si c'est de temps en temps, c'est pas dramatique. Mais voilà, vous vous sentez un peu comme un nourrisson qui serait livré à lui-même. Donc, ça va s'apprendre. Donc, il y a une anxiété. Il y a une anxiété, et votre anxiété, elle se déplace sur des choses apparemment qui n'ont pas de rapport, mais sur des rituels. Vous voyez, où vous allez comme ça, les troubles obsessionnels compulsifs, les TOC, hein, c'est ça, c'est finalement, vous savez au fond que c'est pas rationnel. Vous allez revenir 10, 15 fois, voire plus, vérifier votre porte, vous savez qu'elle est fermée, mais en faisant sur votre trajet, en allant au travail, vous allez y penser. Bon, c'est-à-dire qu'au fond, votre angoisse, elle va se focaliser là-dessus. Oui. Parce qu'il y a une anxiété de fond. Il y a quelque chose. Alors la porte, c'est aussi, comme le dit très justement le subversif, la porte chez vos parents, ça défaisait un ombilique, hein, finalement un peu le cordon ombilical qui se reconstruisait à chaque fois. À présent, ça s'ouvre sans filet. Et ça se referme. Alors, ce protocole compulsif, ça vient un peu vous rassurer. La porte, c'est entre le dedans et le dehors, symboliquement. Bon, on peut effectivement y voir une interprétation de cette nature. Mais moi, je pense que ça serait bon d'aller parler un peu de votre anxiété, Greg. Oui. Parce que c'est un peu votre saut dans le monde adulte, et que il n'y a pas eu les étapes, vous avez été lâché sans étapes préparatoires. Oui. Et ça, c'est pas, si vous voulez, il serait important que ça n'envahisse pas trop vos pensées, parce que c'est un peu fatigant tant que ça reste au niveau. Non, c'est pas inquiétant, parce que c'est pas, je vous assure, c'est pas grave.
Ça n'a rien à voir, c'est pas bon. On peut avoir à certains moments comme ça des moments où de vérification quand on est un peu anxieux. Et vous, eh bien, il y a eu cette séparation qui a été une source d'anxiété. Et donc, ça se reporte là-dessus. Mais je pense que ça vaudrait le coup d'aller en parler un petit peu. Oui. Parce que bon, vous êtes tout jeune et ça va vous aider à élaborer un peu ce travail de séparation avec votre mère, ou d'ailleurs vous ne parlez pas du tout de votre père, hein, c'est le grand absent de l'histoire. Disons que avec lui, bon, les rapports ont jamais été trop, enfin, c'est un rapport classique, hein, de père à fils. C'est-à-dire sans plus ni moins. Bon, c'est-à-dire que lui, à partir, enfin, il était, enfin, quand j'étais plus jeune, j'avais de bons résultats scolaires. Oui. Après le bac, j'ai décidé de tout abandonner pour travailler. Lui, il a très mal digéré, et puis bah, depuis ce jour-là, je pense que les rapports se sont un peu dégradés. Quand vous avez été adolescent ? Oui, bah, une fois que j'ai eu mon baccalauréat, j'avais commencé une première année de droit, et j'étais très très fier, parce qu'il faut dire que nos seuls vrais sujets de conversation, c'était mes études. Hein. Et le jour où je lui ai dit que j'arrêtais tout pour travailler, disons que ça a cassé quelque chose. Comme s'il était déçu. Oui, exactement. Au fond, que vous ne répondiez plus à ses attentes, à cet espoir qu'il avait placé en vous. Oui, pendant des années, effectivement, il criait à qui voulait bien l'entendre qu'il était fier de mes résultats, que j'irais loin. Et bon, je lui ai un peu donné tort sur le plan scolaire, mais... D'un côté, je comprenais sa position parce qu'il avait raison sur le fond. Mais c'est dommage qu'effectivement, ça a bouleversé un peu le rapport et j'ai l'impression qu'il est vraiment cassé parce que depuis mes 18 ans, du coup, on échange très peu. Hein. Si en un mois, on échange quelques phrases, c'est déjà très bien. Mais finalement, vous échangiez peu auparavant puisque c'était concentré sur vos résultats. Oui, tout à fait. Hein, ça, c'était par rapport aux espérances qu'il avait placées en vous. Donc au fond, il y avait d'un côté votre mère qui était... très présente, omniprésente, trop présente par rapport surtout à un garçon, notamment quand même par rapport à ce qui concerne votre intimité, et d'autant plus présente que votre père était, lui, relativement absent. Oui, c'est vrai. Donc il ne pouvait pas vous décoller de votre mère. Ça laissait le champ libre. Et là, vous vous retrouvez effectivement lâché, ce qui réveille en vous beaucoup d'angoisse. Alors après, les angoisses, eh bien, elles vont se focaliser sur des choses qui n'ont parfois aucun rapport. Et je vous dis d'aller en parler un peu, d'avoir quelques séances de psychothérapie, vous aiderez à un peu mettre du sens, vous arrivez à mieux vivre, à être vous-même et à vous sentir un peu plus apaisé, en tout cas moins angoissé. Oui, parce que c'est vrai que quand ça se manifeste sous la forme d'un toc pareil, c'est là que je m'inquiète. Quand je dis c'est inquiétant, c'est que vraiment ça me bouffe de l'énergie. Oui, vous avez raison, c'est le mot, ça bouffe de l'énergie, je reprends votre expression, parce que l'angoisse dévore beaucoup d'énergie, et donc le toc vient là pour concentrer l'angoisse sur quelque chose de précis. Je vous propose qu'on accueille Frédéric qui est avec nous au 3921, qui vous a écouté attentivement et qui a envie de réagir. Bonsoir Frédéric. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Oui, alors écoutez attentivement, je suis pas totalement sûr parce que j'ai coupé ma radio depuis un moment. Et vous n'aviez pas le retour dans votre téléphone ? J'ai un retour, mais j'ai mon petit à côté qui joue avec moi, donc j'ai pas tout. Ah, donc il a perturbé un petit peu la réception. Voilà. D'accord, parce qu'en général, quand on vous dit de couper la radio, oui, parce que sinon ça fait du Larsen, mais on vous met le retour dans le téléphone. J'avais le retour, effectivement. Non, moi, je me suis permis d'appeler parce que j'ai longtemps, et même encore aujourd'hui, été confronté un peu au même problème de top. Que Greg, je crois. Oui. Oui, c'est ça. Depuis très très jeune, hein, depuis l'adolescence, c'était assez manifeste. Je le montrais pas trop devant les autres, mais dès que j'étais seul, j'avais d'énormes difficultés pour fermer la porte d'entrée. Je me suis suspendu même à la poignée, à en casser la poignée pour vérifier qu'elle était bel et bien fermée.
J'ai cassé ma poignée de voiture pour la force de vérifier si ça était bien fermé. Oui. Oui, c'était assez prononcé. Ah oui, oui. Et je le suis toujours plus ou moins aujourd'hui parce que j'ai eu sûrement le tort de pas travailler un petit peu sur ce problème, mais je le suis beaucoup, beaucoup, beaucoup moins, on va dire. Ça s'est très largement atténué au fil du temps. Et je pense que c'était largement dû à un manque de confiance en moi étant jeune, qui s'est plus ou moins résorbé au fil du temps. Mais là où je vous rejoins, c'est vrai que n'ayant jamais travaillé dessus, mon problème ne s'est jamais totalement, ne s'est jamais évaporé de lui-même, on va dire. Et si bien que j'ai des pics, on va dire, des pics, si je peux appeler ça comme ça, des pics de toc, on va dire. Vu comme ça, c'est assez, des pics de toc, oui, c'est drôle, mais oui, des petites crises. Autant, je vérifiais tous les soirs le gaz, si c'était bien fermé, etc. Bon, c'était vraiment très, comme disait Greg, c'était un bouffe énergie vraiment complet. Ah oui, oui. Et en sachant qu'une fois que, voilà, j'y passais un certain moment, une fois que c'était fait, j'y revenais pas. Donc je pense que j'étais pas non plus le plus toqué de la planète, on va dire, mais c'était très handicapant quand même. Et ça s'est beaucoup, beaucoup atténué, on va dire, je mettrais ça à peu près à la naissance de mon enfant, on va dire. Ah oui? Ou du jour au lendemain, je n'ai plus vérifié le gaz, je n'ai plus vérifié la porte d'entrée, je n'ai plus vérifié ma porte de voiture, etc. Sauf en cas de période d'angoisse un peu plus prononcée, où là, n'ayant pas la tête à ce que je faisais, c'est-à-dire n'étant pas concentré à ce que je faisais, à voir si la porte était fermée, ayant la tête à autre chose, et ben ces pics reviennent régulièrement. Donc je me suis permis d'appeler, en fait, c'était pour donner un petit espoir à Greg, pour lui dire que, bon, même s'il a des tocs, ça peut s'atténuer au cours du temps. Mais qu'effectivement, votre proposition d'en parler n'est pas sans intérêt, parce que malheureusement, ça ne part pas tout seul. Même si ça s'atténue, ça ne part pas tout seul. Voilà, simplement ce que je voulais. Comment expliquez-vous que le fait d'avoir un enfant qui pourtant amène un stress, hein, notamment par rapport à la sécurité, et puis bonne question. Alors là, ça c'est... Parce que vous vous dites, Greg, alors quelques séances de psychothérapie ou faire un bébé? Ah, peut-être, oui. Finalement. Non, mais c'est une bonne question, Greg, parce qu'on pourrait dire ça aurait pu renforcer l'anxiété et de dire, oh là là, je vais encore plus vérifier. Oui, c'est vrai. Alors est-ce que c'est ma confiance en moi aussi qui a été un petit peu mise en avant, on va dire, par le fait d'être père. Peut-être que ça vous a donné, une confiance, le fait de devenir père. Peut-être que on dit parfois que on se décentre de soi pour, du coup, le centre se déplace vers l'enfant. Voilà. Peut-être qu'il y a il y a une histoire de confiance en soi. Mais bon, je sens que c'est latent quand même en dessous, quoi, si vous voulez. Dès que j'ai une angoisse particulière, ça revient. J'arrive à m'en défaire beaucoup plus rapidement que de par le passé. Je ne casse plus rien, on va dire. Mais ça revient. Aux grandes dames de votre serrurier, mais aujourd'hui, vous savez résister. Vous ne vous suspendez pas à votre poignet. Mes parents, surtout. C'est leur porte et leur voiture que j'ai cassée. Mais il y a quelqu'un, justement, qui me laisse un message. C'est Jocelyne qui me dit, mais moi, j'ai le même toc, mais avec ma voiture. Mais il est vrai que l'on m'en a volé une, dit Jocelyne. Alors, dans ces cas-là, c'est vrai que bon, ça peut expliquer qu'après on soit un petit peu dans la vérification. Hein. Oui, non, moi c'était pas. Je pourrais pas vous dire pourquoi, etc. Mais c'est bon, j'ai pas eu de problème particulier comme Greg avec une mère trop possessive, on va dire ce genre de choses, qui aurait pu expliquer ce genre de choses. Mais c'est vrai que bon, j'ai un fond d'angoissé, on va dire, plus généralisé, qui ont dû. Être un petit terreau, on va dire, pour ce genre de difficultés. Mais c'est vrai que malgré tout, c'est ce que je voulais dire à Greg, ça parvient quand même à s'atténuer, à se maîtriser quelque peu au fil du temps. Et puis vous avez raison de le dire, parce que Greg dit, oh là là, c'est inquiétant, c'est angoissant. Alors c'est vrai que de toc à toquer, vous l'avez dit, vous l'avez dit avec humour, hein, Frédéric, je suis pas le plus toqué. Ça a rien à voir avec la folie, tout ça. Hein, c'est quelque chose d'assez de névrotique, mais qui ne s'aggrave pas. Comme vous dites, le plus embêtant, c'est que c'est fatigant, parce que ça dévore beaucoup d'énergie. Ah, donc oui, bon, ça vaut le coup d'aller un peu en parler quand on sent vraiment qu'il y a de l'angoisse diffuse autour.
autour de ça, parce que c'est vrai que ça peut vraiment envahir toute la pensée et prendre beaucoup de place, et notamment dans des périodes comme ça où ça peut gagner du terrain. Voilà. Donc y a Chris qui dit cordon ombilical oppressant, travail d'autonomie à rattraper, mais libération à atteindre pour s'envoler enfin. Donc le subversif qui dit l'oisillon aux plumes mouillées pour le moment a du mal à prendre son envol et il se voit réduit à tourner, à retourner dans le nid en classant ses plumes par ordre alphabétique. C'est un peu ça, voilà. Donc il faut pouvoir prendre votre envol et ça va venir parce que vous savez, je crois qu'il y a beaucoup de jeunes gens, garçons ou filles, cette période finalement dont on rêve au départ de dire quand on est chez les parents, on se dit, oh là là, qu'est-ce qu'ils me font suer pour pas dire autre chose, à être toujours sur mon dos et vivement que je sois chez moi, que j'ai mon petit studio, ma chambre, et je vais pouvoir, je vais enfin pouvoir avoir ma liberté. Mais on oublie que la liberté, c'est angoissant aussi par moment. Ça peut être de tout d'un coup, de se trouver face à soi-même. Et comme vous dites, là, vous touchez du doigt, Greg, que au fond, ce qui était envahissant, c'était aussi une protection. Et c'est là, par moment, quand on est surprotégé, parce que là, c'était plus de la protection, c'était de la surprotection, c'est très inhibant. Et que du coup, on a du mal à faire les choses par soi-même. C'est pour ça que c'est très difficile d'être parent. Donc, alors vous allez trouver vos marques et un petit soutien, un petit appui va vous y aider. D'accord. Alors, je vais quand même donner pour celles et ceux aussi qui nous écoutent, parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent être concernées par des troubles obsessionnels compulsifs. L'association dont on a souvent parlé, qui s'appelle AFTOC, A-F-T-O-C, qui est l'Association Française de Thérapie Comportementale et Cognitive. Et c'est vrai que pour en ce qui concerne ces troubles, les thérapies comportementales et cognitives marchent de très bons résultats. Donc, il y a un site qui est aftoc.perso.9, comme le chiffre 9, .fr, aftoc, A-F-T-O-C, .perso, P-E-R-S-O, .9, N-E-U-F, .fr. Il y a également un téléphone qui est le 01 39 56 67 22, 01 39 56 67 22. Et il fonctionne beaucoup avec des groupes de parole, notamment. Et puis j'invite des personnes aussi, si elles souhaitent entrer en contact avec moi personnellement, qu'elles n'hésitent pas, si elles ont souffert et qu'elles se sont sorties aussi, si elles ont des petits trucs, parce que j'avais trouvé un petit truc sur Internet qui a marché quelques semaines, qui s'est atténué, c'est-à-dire de le faire plus lentement, cette fermeture de porte, et d'essayer de visualiser chaque geste pour moins angoisser, me rassurer. C'est un peu ce que moi je faisais effectivement. C'est procéder lentement en essayant de visualiser chaque étape. C'est ça, ouais. Et me dire voilà, je ferme la porte en trois étapes. Je ferme la porte, je tourne la clé, je vérifie. Et m'éloigner progressivement de la porte en me disant j'ai fait ça. Et tourner les talons au bout d'un moment, puis se dire partir. En pensant bien à toutes les étapes qu'on avait pu faire, et au bout d'un moment, au fur et à mesure des pas, mon toc s'évaporait progressivement. Et j'y pensais plus de la journée jusqu'au retour. Mm-hmm. Voilà, c'est le faire vraiment doucement, par étapes, effectivement, mémoriser, visualiser, pour se convaincre qu'on a fait la chose. Et pas remettre en cause ce qu'on vient de faire. Et oui, c'est ça le problème, c'est que quand on a quelque chose d'autre dans la tête, au moment où on le fait, on a d'énormes difficultés à se détoquer, justement, parce qu'on n'est pas en mesure de mémoriser, de visualiser ce qu'on fait sur le moment. Oui. Parce que si on se réimagine en train de fermer la porte et qu'on n'était pas attentif... Alors, quelques messages pour conclure. Gaëlle qui dit « Ma fille me reproche toujours d'avoir des tocs de rangement. » Et puis, il y a Sylvie qui a 44 ans qui dit « J'ai aussi ces tocs porte, gaz, fenêtre à vérifier avant de partir, particulièrement en période de stress. Je contrôle parfois, mais quelle énergie dépensée, nous dit Sylvie. »
Merci Greg, en tout cas, de ce témoignage. Et merci beaucoup à vous, Frédéric, aussi, pour, merci à vous, pour bon ce témoignage réconfortant. Merci beaucoup. Hein. Merci, au revoir. Au revoir. Bonsoir Nelly. Bonsoir. Bonsoir. Je tiens à dire que je suis très émue de passer là à l'antenne parce que vous parliez des 10 ans de l'émission et bon, j'ai 25 ans, mais ça doit faire à peu près 10 ans que j'écoute. Oui, vous étiez toute petite, presque, toute jeune, hein, quand vous avez écouté alors. Ouais. J'ai commencé, je devais être en seconde, donc peut-être même. Voilà. Oui. Donc, oui. Voilà, je suis un peu impressionnée. Oui. Alors, vous m'avez envoyé un mail, je vais vous aider alors un petit peu, hein, me disant donc, vous avez 25 ans. Oui. Et l'impression que votre vie s'est arrêtée quand vous en aviez 17. Voilà, alors, j'essaie d'être brève, mais c'est quelque chose qui me semble compliqué à expliquer, mais. J'ai toujours eu des troubles a priori du comportement alimentaire. Enfin, c'est en tout cas comme ça que vous résumez, c'est ça en fait. J'ai toujours souffert plus ou moins a priori de restrictions alimentaires et disons j'ai eu un pic, une phase anorexique à 17 ans. Donc, en gros, j'ai jamais fini une seule de mes années de lycée et j'étais longtemps en arrêt de scolarité, mais je. J'avais un comportement assez, on va dire, j'étais dans ma bulle, donc je coupais contact avec tous les gens qui m'entouraient. Bon, j'ai toujours été un peu comme ça, mais là, ça c'est, voilà. Et puis c'est une période en même temps où on éprouve une très grande indifférence vis-à-vis de beaucoup de choses et en même temps tout est exacerbé, je dirais. Et c'est une période également où il y a une espèce de volonté, poussé à son paroxysme dans le mauvais sens du terme, mais une espèce de forme de volonté indestructible. Et il se trouve qu'à un moment, j'ai vu que ça n'allait pas, je faisais du mal à beaucoup de monde, et tout à coup j'ai arrêté en fait, j'ai complètement arrêté, enfin mon comportement a changé du jour au lendemain. Je suis retournée en cours et en gros, j'ai eu mon bac et j'ai fait des études qui sont qualifiées de brillantes en fait. Voilà. Disons que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu un parcours qui est très bien reconnu. Mais cela dit, voilà, donc entre le moment où finalement je me suis, disons, reprise et où je me suis dit que je devais prendre une vie normale, en tout cas donner les apparences, rassurer mes parents, rassurer les gens qui m'entouraient. Et ce moment maintenant, j'ai l'impression que rien ne s'est passé, en fait. J'ai l'impression qu'effectivement, ma vie n'a pas bougé. J'ai l'impression que de rien avoir accompli, de rien avoir fait, d'en être finalement toujours au même point. Et ça me fait penser à la phrase que vous disiez tout à l'heure quand on parlait de ces âges où on souhaite avoir une liberté et puis on se rend compte à un moment finalement qu'elle peut être très emprisonnante. À un moment, j'ai cru pouvoir être libre et finalement, ça fait 8 ans que je me sens complètement emprisonnée. C'est-à-dire que j'ai dépassé cette période, disons, paroxystique. En tout cas, c'était là où on voyait le plus que j'étais mal. Mais j'ai jamais dépassé ni les questionnements, ni même une certaine honte aussi. D'avoir quelque part perdu de la volonté que j'avais, même si je sais que ça peut sembler un peu étrange. Et j'ai l'impression que depuis, je suis quelqu'un qui n'a plus mu par aucune volonté, ni aucune énergie, en fait. Vous avez trouvé quand même l'énergie de poursuivre des études brillantes. Il faut de l'énergie pour cela. En fait, c'est ce qu'on me renvoie. Mais moi, tout ce que je vois, c'est que j'ai tout un peu eu par chance. J'ai l'impression, finalement, que c'est un peu comme si j'avais joué au poker. Vous pensez que c'est comme si c'était de l'imposture? Oui, complètement. D'ailleurs, c'est un terme qui revient très souvent. Et voilà, je me sens souvent pas à ma place. Je me suis souvent sentie pas à ma place. Et c'est ce qui a fait que
Justement, donc avec mes études, ça va, j'ai eu le loisir de... Enfin, j'avais plusieurs orientations possibles et c'était très compliqué parce qu'à chaque fois, justement, je me sentais pas à ma place. Et encore aujourd'hui, je me sens pas à ma place. Et même, je dirais, par rapport à mon histoire, par rapport aux autres, par rapport aux gens que je rencontre, je me sens pas à ma place. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui, finalement... pour eux, j'ai pas de passé. Je peux pas parler de ce que j'ai vécu de plus intense parce que je pense que ça peut pas se dire. J'arrive pas à en parler. Puis je vois pas tellement comment les gens peuvent réagir. Et je peux pas parler de la suite de ces 7-8 ans de normalité, en tout cas apparente. Parce que pour moi, il n'y a rien eu et je suis fière de rien là-dedans et je sais pas quoi raconter. Et j'ai l'impression d'avoir fait que survivre. Je sais que c'est un peu fort comme terme, mais peut-être que de l'extérieur, ça donne un peu l'impression que je me plains de... C'est ce que vous... Non, c'est ce que vous, vous vivez, vous survivez. Vous survivez, c'est-à-dire que, effectivement, vous le vivez comme tel. Donc, vous donnez ce que vous dites dans votre mail, une surface comme ça, lisse, oui. Pour ne pas donner prise, finalement. Oui, Mais cette histoire de place est à interroger, Nelly, y compris dans votre histoire et dans votre passé. Il y a beaucoup de choses qui sont à interroger. Pourquoi votre vie s'est-elle arrêtée quand vous aviez 17 ans? Quelle est cette souffrance dont vous avez le sentiment que vous ne pouvez pas parler? Pourquoi? De façon générale, c'est simplement que j'ai fait simplement vivre avec quelqu'un qui peut avoir des troubles comme ça, bon, que ce soit des troubles d'ailleurs, les gens qui... je sais que mes parents ont vécu avec quelqu'un qui considérait... Ma famille m'a considérée comme quelqu'un, l'image habituelle, c'est de dire que les gens ont l'air de sortir de camps de concentration et dans ma famille, mon grand-père a été en camp de concentration et ça a été très très choquant en fait pour moi qu'on me dise ça. Parce que je pense que ça se dit pas. Enfin, il n'y avait pas de parallèle à faire. Donc, je sais que, de façon générale, c'est quelque chose qui a fait souffrir. Et pour des gens de l'extérieur qui peut-être ne connaissent pas ça, n'ont pas connu ça eux-mêmes ou n'ont pas connu ça par des gens qui les entourent, je pense que c'est quelque chose d'impossible à expliquer, cette espèce de volonté absolument indestructible de... Enfin, cet état où on est tout le temps en train de se dépasser, alors certes pour de mauvaises raisons, mais cette espèce d'élan, là, il est impossible à expliquer. Et c'est encore plus impossible de dire qu'à un moment, on a presque eu l'impression qu'on n'était plus vivant comme ça que comme on est après. Votre grand-père est revenu des camps ou est mort en camp de concentration? Il en est revenu. D'ailleurs, il a mis 10 ans à s'en remettre. Enfin, il a été malade toute sa vie, mais il a même eu des enfants puisqu'il a eu, mon père entre autres. C'est vrai que ça a marqué beaucoup de gens, mais bon, c'est parce qu'il avait. Ça a marqué l'histoire familiale, forcément. Oui, ça a beaucoup pesé. Et effectivement, c'est quelque chose qui. C'est vrai qu'à un moment, il n'y a pas si longtemps que ça, effectivement, je crois que c'est ma mère qui a jamais voulu s'intéresser à cette histoire de mon grand-père qui, justement, avait une stature très écrasante dans la famille. Donc, elle avait de la distance par rapport à ça, pas par rapport à son histoire, mais par rapport à lui. C'est elle-même un jour qui m'a dit qu'effectivement, j'avais une espèce de... En fait, j'ai fait des recherches sur mon grand-père, j'ai recopié son témoignage il n'y a pas très longtemps et j'en ai écrit un manuscrit, mais pour la famille, quoi, que j'ai redistribué, j'ai retrouvé des cassettes et voilà. Et quand j'ai fait ça, elle m'a dit que, effectivement, elle a fait le rapprochement, enfin, elle a fait un rapprochement en tout cas et en fait, ça m'a encore plus choquée parce que c'est quelque chose d'important et effectivement, il y a évidemment qu'il y a une image qui s'impose qu'on peut pas, à laquelle on ne peut pas penser, mais, ça me choque beaucoup en fait de qu'on associe mon grand-père et ce que j'ai pu vivre en fait. C'est-à-dire que par votre
maigreur excessive, par l'anorexie, ou effectivement parfois de façon extrêmement maladroite, par l'image aussi très angoissante que renvoie l'anorexie. Il y a cette image de corps comme ça, très très abîmé par l'anorexie. Et du coup, vous avez été associé à votre grand-père. Mais en même temps, vous-même, il y a quelque chose dans l'histoire de votre grand-père que vous portez, semble-t-il, peut-être parce que c'est, je ne sais pas, cette histoire au fond, c'est pas anodin, Nelly, d'avoir écrit sur l'histoire de votre grand-père, de vouloir en parler. Non, mais de vouloir. Vous l'avez connu, ce grand-père. Vous avez pu. J'étais toute petite. Enfin, j'avais 10 ans quand il est mort. Vous aviez quel âge? J'avais 10 ans en fait quand il est mort, et c'est non, c'était quelqu'un qui me faisait peur et il ne parlait pas à nous. Parce qu'il pensait que, enfin, à ses petits-enfants, on était deux, il ne nous en parlait pas parce qu'il pensait qu'on ne devait pas savoir parce qu'on était trop petits. C'est compliqué de parler à des petits, oui. Oui, mais ne pensait qu'à ça. Et ce qu'il y a de vrai, ce qui, après, je pense qu'il a fait aussi le rapprochement, en tout cas aux yeux de ma mère, parce qu'on essaie toujours de trouver des explications, j'imagine. Enfin, c'est ce que j'essaie de faire aussi, mais. Le rapprochement qu'elle a fait, c'était de se dire que j'ai commencé vraiment à avoir vraiment manifesté la restriction alimentaire. Enfin, c'était à peu près la même période où il est décédé. Mais pour moi, c'est lié à complètement. Enfin, ça n'a rien à voir, mais il se trouve que c'est concomitant, d'une façon ou d'une autre. Voilà. Mais moi, surtout, ce qui m'angoisse aujourd'hui, pour en venir à aujourd'hui, parce que je peux pas faire. Oui, mais aujourd'hui et hier sont liés. Oui, mais je vous écoute. Non, je suis d'accord avec vous. Disons que justement, toutes ces choses-là sont toujours douloureuses. Et finalement, tout ce qui est lié à ce que j'ai vécu est douloureux. Ou bien m'est indifférent, ou finalement, c'est quelque chose qui est passé comme ça, qui est passé pour moi comme des jours gris, sans rebondissement particulier. Et justement, je me dis qu'au fond, je suis quelqu'un qui est sans passé. Finalement, j'ai l'impression d'être quelqu'un de sans passé. Et pourtant, de quel passé nous parlez-vous, là? C'est vrai, mais pour moi, il est associé justement à, pas à moi, mais plus à ma famille. Et... Oui, c'est ça qui est compliqué. Finalement, comme si vous portiez une souffrance qui n'était pas la vôtre, Nelly. J'ai pas eu cette impression, mais disons que c'est vrai que ce que j'ai fait, ce qu'il y a de vrai, c'est que j'ai fait une chose qui m'a semblé importante, c'est que je suis allée dans un des camps où il s'est retrouvé, par exemple, pour mes recherches. Et encore une fois, en fait, moi je n'ai pas écrit, je n'ai fait que retranscrire des cassettes que mon père avait enregistrées, et je n'ai fait que faire des recherches documentaires. En aucun cas, justement, je veux m'approprier. Cette histoire-là, mais c'est vrai que j'ai voulu faire des recherches comme je parle, je parle allemand, donc j'ai pu aller faire des recherches dans les camps où il s'était retrouvé, effectivement. Et c'était très étrange, voilà. Mais comment votre père, lui, a réagi à tout cela, au fait que vous ayez écrit sur l'histoire de votre grand-père? Je pense qu'il a été touché, bien sûr. Parce que pour mon père, c'est très très important, parce que effectivement, lui et ses frères ont été très marqués par l'image de leur père, qui était ce héros. Même il était écrasant, hein. C'était pas forcément très positif d'ailleurs, hein, pour le reste de la famille. Et pour mon père, je pense que c'est quelque chose de touchant. Je pense qu'il est d'émouvant. Je pense qu'il comprend, parce que pour lui, c'est lui qui m'a appris ce qu'était le devoir de mémoire. Mais je pense que ça a pu aussi. Il a trouvé ça bien. Je pense que c'est ma mère plus qui a mis un bémol. Mais mon père, est touché. Mais ma grand-mère également. Enfin, quand j'ai donné le manuscrit à ma grand-mère, ce que j'avais, retranscrit à ma grand-mère, J'ai su qu'elle était très touchée. On n'est pas très expansif, mais.
pour votre mère, vous ne pensez pas que c'est peut-être trop angoissant de vous voir dans une telle souffrance? Alors, vis-à-vis de mon... par rapport à mon grand-père, vous voulez dire? De façon générale et de partir comme ça dans l'exploration de cette histoire, ce qui peut-être va vous permettre de lever des pans et de sortir, de trouver votre place au fond dans votre famille, de trouver votre réelle place. Bah, disons que oui, je pense qu'effectivement, elle n'a pas supporté, ma mère n'a jamais compris pourquoi pourquoi j'avais voulu maigrir et pourquoi ça avait commencé aussitôt, et même aujourd'hui, elle ne comprend pas. Parce que... Le savez-vous, vous, pourquoi vous avez voulu maigrir? Je le sais superficiellement, je le sais... J'ai tout comme raison, en fait. C'est-à-dire que, même aujourd'hui, alors que physiquement, en apparence, tout va bien. Oui, mais les apparences, on n'est pas là pour parler des apparences, Nelly. Non, ce que je veux dire, c'est que je suis plus effectivement en état, je veux dire, physiquement, effectivement, ça, on ne voit rien, et c'est souvent ça qui est très dur, justement, parce que... Dans un sens, ça veut dire que vous avez réussi, au moins, par rapport à ces restrictions alimentaires, à être sortie de cette spirale-là. Mais il reste, bon, une souffrance morale. Oui, il reste la culpabilité, parce que justement, souvent, et j'en ai honte de le dire comme ça, mais parfois je regrette d'avoir lâché comme ça, parce que, et justement, je ne sais pas exactement ce que alors, qui vous avez lâché? Qu'est-ce que vous avez lâché? Pourquoi ça, votre vie s'est arrêtée quand vous aviez 17 ans? Il y a beaucoup de questions. Pourquoi vous dites dans votre mail, vous vous sentez impuissante à agir alors que vous bouillonnez de questions? Quelles questions? C'est toutes ces questions qu'il vous faudrait poser. Les réponses, au fond, voyez, c'est de tout ça dont il faudrait parler, parce que vous avez finalement, c'est pas d'anorexie dont il faut parler. On voit bien que vous avez aujourd'hui la capacité à parler d'autre chose que d'anorexie, Nelly. Et là, il y a vraiment, il y a beaucoup de choses à dire, et où on est dans l'histoire familiale, où au fond, cela arrive que les souffrances se répercutent sur les générations suivantes. Pourquoi, comment on va continuer à en parler après le journal. Ne raccrochez pas. Sur Europe 1 avec tous vos témoignages au 39-21, toutes vos réactions par courriel sur le site europe1.fr et par SMS au 7-21-21 avec le mot clé en premier qui est nuit. Nous allons retrouver Nelly. Nelly, donc vous avez 25 ans et vous nous dites que depuis l'âge de 17 ans, vous avez l'impression que votre vie s'est arrêtée. Vous avez eu des problèmes d'anorexie, de dépression, enfin dans une phase où finalement vous regardez un peu la vie derrière une glace, d'une douleur que vous avez le sentiment de ne pas pouvoir partager, des études brillantes, et puis finalement dans votre histoire familiale, le sentiment de ne pas trouver votre place, le sentiment de ne pas trouver votre place dans la vie aussi, en général. Et puis, vous nous avez parlé de ce grand-père paternel qui a été déporté, qui a été donc dans les camps de concentration.
Et ce grand-père paternel qui tient une place importante, une figure assez imposante, écrasante finalement, hein, écrasante, et sur laquelle je pense il serait bon de vous interroger, mais avec l'aide de quelqu'un, parce que vous savez, certains thérapeutes qui ont travaillé pour avoir parlé avec certains comme ça m'ont dit que le traumatisme, et le mot est faible, engendré par ces années terribles, s'est répercuté sur les générations suivantes, et parfois même sur les, comme vous, sur les petits-enfants. Parce qu'effectivement, ceux qui sont revenus des camps, souvent n'ont pas pu en parler. Tellement on était dans l'ordre de l'indicible. En fait, j'en ai entendu parler assez tôt, en fait, de tout ça. Enfin, par qui? Lors de diverses lectures, pour le, je pourrais plus vous dire. Je lisais, en fait. J'ai beaucoup lu très très jeune sur. J'ai eu une période où j'ai beaucoup lu sur les des sujets qui étaient sur la Deuxième Guerre mondiale et entre autres sur la parole, parfois de ceux qui ont survécu, ou la non-parole parfois. Et pour moi, ça concernait en plus particulièrement, et sans faire de concurrence de mémoire en plus, les familles où les gens avaient été victimes de choix. Je me sentais pas vraiment. Enfin, ce que j'ai sur les là, descendants. Voilà, les descendants. Oui. Mais dans des familles visées vraiment par la Shoah en tant que telle. Mmh. Et au fond, moi, je me suis toujours dit que, de toute façon, mon grand-père, c'est de toute façon, et simplement, entre guillemets, il a été déporté. Mais c'est pas toute ma famille. Et je me suis toujours dit que je me méfiais, je me suis toujours méfiée du rapprochement qui pouvait se faire, en fait. Oui, mais vous êtes toujours dans ce double mouvement, Nelly, à la fois il y a cela, c'est pas, voyez bien, vous dites à la fois il y a cet événement, ça s'est passé dans votre famille, et puis à la fois de dire bon, au fond, par rapport à d'autres familles, vous dites vous, il n'y a eu entre guillemets que votre grand-père, il est revenu, il n'empêche qu'il y a chez vous un abîme, une douleur dont quelque chose qui ne peut pas se dire, un sentiment de honte, quelque chose, une. Alors, au-delà de ça, il va au-delà de cet événement, de ce drame familial, il y a d'autres choses forcément qui vont émerger. C'est-à-dire que vous allez aussi tisser votre histoire. Comment vous trouvez votre place dans cette histoire familiale, dans cette histoire singulière qui rejoint l'histoire avec un grand H. Oui. C'est tout ça aussi qui est imbriqué. Et pour le moment, vous ne pouvez pas donner du sens à tout ça. Donc effectivement, vous êtes enfermé en vous-même. Oui, vous êtes littéralement enfermé. Oui, oui, c'est vrai. Vous aussi, vous êtes prisonnière. Et il y a beaucoup de similitudes avec votre grand-père. De fait. Oui, mais c'est vrai, ce côté emprisonnement, oui, il est là. Mais oui, mais il y a beaucoup de choses qui. Donc tout ça, il est important de dénouer tout cela, parce que là où vous avez fait un grand pas en avant, c'est que par rapport au moment où vous étiez plongé dans
dans l'enfer de l'anorexie. Aujourd'hui, quand même, vous avez pu en sortir, même si, bon, comme vous dites, vous savez que rien, tout, l'équilibre reste fragile. Mais vous pouvez parler d'autre chose. Vous pouvez parler de vous, de l'histoire, de bon. Donc, il faut que vous soyez bien accompagné. Avec quelqu'un qui va pouvoir vous aider à donner du sens à tout cela. Alors, pour de fait, d'ailleurs, je voyais quelqu'un à un moment, comme j'ai déménagé, je peux plus voir cette personne, mais effectivement, je pense que, enfin, cette personne effectivement m'avait, disons, en tout cas, encouragée, sinon pas incitée, mais encouragée à poursuivre effectivement mes recherches ou cette enquête, enfin, voilà. Mais j'ai juste peur de... J'ai peur de faire trop d'amalgame. J'ai peur de ne pas être assez nuancée. Et j'ai peur de voler... Je voudrais pas avoir l'impression de voler l'histoire de quelqu'un. Mais vous ne volez pas l'histoire. Vous avez besoin de connaître l'histoire, de poser toutes les questions que vous avez à poser, mais de les relier aussi à votre histoire et de trouver votre propre place. Parce que là, ce qui est intéressant aussi, c'est pourquoi vous ne trouvez pas votre place. Et ça, c'est à interroger. Et pourquoi, finalement, il va falloir aussi que vous arriviez à parler en votre nom propre. Cela dit, j'ai toujours eu l'impression de beaucoup, beaucoup parler de moi en mon nom. Oui, mais différemment. Ouais. Donc, vous ne pouvez plus continuer le travail avec la personne entreprise, avec la personne, pardon, avec qui vous aviez entrepris ce travail. Mm-hmm. Vous pouvez le poursuivre avec quelqu'un d'autre. Oui. Il ne faut pas rester comme ça, seul, sans poursuivre la démarche. Parce qu'il reste du travail à faire, hein, Nelly, et vous le savez. Oui. Il ne faut pas rester dans cet enfermement. D'accord. Il est temps de prendre votre place dans la vie. La vie vous attend là. Hein. C'est ce que j'arrête pas de me dire. Oui, la vie vous attend, Nelly. C'est juste que... Il est temps de la saisir. Oui. Vraiment. On va essayer de trouver le mode d'emploi. Il n'y a pas de mode d'emploi. On vient tous au monde sans mode d'emploi, Nelly. Et on a tous affaire avec une histoire, c'est vrai, plus ou moins compliquée, plus ou moins lourde. Mais on vient tous au monde sans mode d'emploi. Dites-vous bien ça. Et dans un sens, c'est ce qui nous laisse aussi une grande liberté. Et la possibilité de choisir, c'est angoissant, ça donne parfois le vertige. Mais c'est ce qui fait que nous sommes tous uniques, tous avec des parcours différents. Si on avait un mode d'emploi, vous imaginez, on se ressemblerait tous, on aurait tous la même trajectoire. Bien sûr. Ça fait pas forcément rêver. Alors c'est vrai que par moments c'est rassurant, comme disait Grégory, mais bon, oui, il y a des moments où on aimerait bien que quelqu'un nous prenne par la main. Prenez-vous vous par la main, allez en parler à quelqu'un qui va vous écouter et qui va vous aider à vous aider et à donner du sens à tout ça. D'accord, Nelly? Ben écoutez, en tout cas, je vous remercie. Au revoir, Nelly. Au revoir. Donnez-moi de vos nouvelles. J'aimerais bien en avoir. Très bien, je le ferai. Merci beaucoup. Je vous dis à bientôt alors. Au revoir. Des mails qui m'arrivent pour Greg qui souffrait de TOC, qui vérifiait notamment souvent si sa porte d'entrée était bien fermée. Laurent nous dit, moi aussi j'avais beaucoup de TOC, porte d'entrée, gaz, voiture, fer à repasser, boîte aux lettres. Mais suite à une rupture, les TOC ont quasiment disparu du jour au lendemain, comme si rien ne pouvait arriver de pire. Et depuis cette époque, tout va bien. J'essaie aussi d'anticiper les TOC, m'assurer que les tâches soient bien faites une fois pour toutes.
doute. Alors il faut que Greg garde espoir. Et puis il y a Jeanne qui me dit « J'ai 59 ans. Après une mauvaise période de grosse angoisse cet hiver et de toc accentué, je me suis décidée à aller voir une psy. Ce que je ne voulais pas faire auparavant, pensant ainsi que je ne dérangerais personne. Les quelques séances que j'ai interrompues à cause des vacances m'ont fait beaucoup de bien et m'ont permis de devenir plus sûre de moi. Et je pense du coup que je vais continuer », nous dit Jeanne. Nous accueillons maintenant Nicolas. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Je vous écoute. Je ne sais pas par où commencer. La seule chose que j'ai envie de dire au début, c'est que dans la vie de tous les jours, tout va bien. Seulement, il y a un petit truc qui fait que parfois, je peux me sentir mal tout seul. C'est un problème concernant en fait mes relations avec mes parents et ma famille en général. Oui. Puisqu'en fait, je ne sais pas s'il faut que je remonte par rapport à ce que je vous ai dit loin dans le passé, mais en tout cas. Depuis tout. Nicolas, vous êtes avec nous ? Ah, on a un petit souci. Nicolas, on va le rappeler. Des messages aussi qui arrivent pour. Qui reviennent sur le témoignage de Nelly. Catherine nous dit. Quelle force dans ce témoignage. Cette jeune femme qui a tant de mal à se sentir vivante, sait-elle à quel point elle nous a enrichis ce soir. Merci à elle. Le subversif qui dit « Nous sommes tous des gigognes psychiques, une caisse de résonance d'un écho que nous tenons pour celui de notre personne, alors qu'en vérité, qui peut dire de qui et de quand ?» Il vient. Et là, avec Nelly, on était vraiment dans ce que l'on peut appeler le transgénérationnel. Hein. Il y a vraiment quelque chose d'une histoire familiale qui traverse les générations et d'une souffrance qui ne peut se dire ou qui s'est dit, mais comment, de quelle façon et Nelly a bien du mal dans cette histoire à trouver sa place et, comme vous le dites, Catherine, à se sentir vivante. C'est le mot. Donc, il y a un vrai travail à faire là-dessus. Et on sentait toute l'intelligence de cette jeune femme. Et elle a à coup sûr les moyens d'y parvenir. Mais il va falloir se jeter à bras-le-corps et dans cette aventure pour parce que la vie est là et il va falloir vraiment l'attraper, la saisir. Nicolas, on vous a retrouvé ? Oui, on a eu un petit souci. Non, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on vous ait retrouvé. Oui, donc vous avez c'est au sein de votre famille vous vous posez beaucoup de questions. Donc vous avez 21 ans. C'est ça. Vous êtes étudiant. Et j'ai votre mail sous les yeux. Donc, vous dites que vous avez toujours été un peu l'enfant modèle. Oui, c'est bien ça, oui. Contrairement à votre frère aîné qui était plutôt l'enfant turbulent de la famille. Oui, et par rapport à ce rôle modèle, c'est que, comme je disais quand ça a coupé, c'est que je me suis senti obligé de jouer ce rôle d'enfant modèle. Par rapport à la famille, pour pallier en fait le comportement de mon frère vis-à-vis de mes parents en fait. Vous avez combien d'écart ? On a 3 ans et demi. D'accord. Donc c'est vrai que par rapport à ça, ça a beaucoup pesé et ça a d'autant plus pesé que à l'âge de mes 18 ans j'ai enfin compris donc que j'étais homosexuel. Et, oui. Et j'ai voulu donc l'annoncer à mes parents. Seulement à partir de ce moment-là, comme je disais, l'enfant modèle que j'ai joué est devenu l'inverse, c'est-à-dire l'enfant avec tous les défauts du monde. Mes parents m'ont même dit qu'ils auraient préféré avoir un deuxième enfant
comme mon frère aîné qui fait des bêtises plutôt qu'un enfant homosexuel. Et suite à ça, en fait, c'est vrai que j'ai pris beaucoup de distance avec mes parents, même si je reste en contact avec eux et que je les vois régulièrement quand je rentre chez eux puisque je suis étudiant. Et en fait, c'est ajouté à ça ce qui a, je trouve, alourdi le problème. Oui. C'est qu'il y a 9 mois, donc j'ai appris donc par mon ex-belle-sœur que mon père avait fait donc quand j'étais tout petit. Mon père a fait de la prison, voilà. Donc, j'en ai parlé à mes parents, avec mon frère et mes parents. Mon père nous a bien expliqué en fait qu'il avait fait trois mois de prison le temps du jugement pour attouchement sexuel. Sauf que après, apparemment, il a été débouté. Et c'est vrai que depuis que j'ai su ça, depuis 9 mois maintenant, souvent je pense à ça et j'ai du mal à... Enfin, j'ai des images des fois qui me viennent dans mes rêves ou même dans mes pensées de mon père en prison et du fait que... voilà, c'est vrai que c'est tout brouillon puisque je vous parle de plein de choses qui ont peut-être pas de rapport entre eux, mais c'est vrai que tout ça mélangé fait que je me retrouve dans la situation où j'ai l'impression de pas avoir de réel lien avec mes parents, en fait. J'ai l'impression que mes parents sont pas mes parents dans le sens affectif. Ça a un rapport, Nicolas, contrairement à ce que vous me dites, puisque finalement, quand vous avez parlé de votre vie affective, de votre vie amoureuse, de votre vie sexuelle et parlé de votre homosexualité, vos parents vous ont dit qu'ils préférerait avoir un deuxième enfant un autre enfant que vous, parce que cette l'homosexualité, ben, c'était compliqué pour eux. Et puis là-dessus, vous avez associé sur la révélation par votre belle-sœur, donc la petite amie de votre frère, c'est ça? Oui. De votre père ayant fait de la prison, et pas pour n'importe quel motif, pour des attouchements sexuels. Oui. Donc des attouchements sexuels sur des enfants. Non, apparemment, puisqu'ils nous ont expliqué comment ça s'est passé, j'avais 9 mois et mon père, a rencontré une femme qui était une prostituée, je crois, et donc il aurait commencé à vouloir avoir des rapports avec elle, sauf qu'après cette femme a porté plainte pour viol alors qu'apparemment elle était consentante, d'où le fait qu'il aurait fait ses 3 mois de prison le temps du jugement et qu'à la fin on aurait retenu que attouchement sexuel et non le mot viol. Alors, donc c'est une prostituée qui aurait porté plainte, c'est ça, pour viol. Oui. Donc il aurait fait 3 mois avec sursis. Après, au moment du procès, il aurait été finalement relaxé, c'est-à-dire qu'il était, il a été reconnu non coupable. Mais je sais pas, c'est ça. Mon père m'a raconté ça avec ma mère qui elle Vous était avez en pleurs la version à de côté. Vos parents. Votre mère était en pleurs à côté. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est la version de vos parents. Ouais. Ce qu'il y a aussi, et ce que je trouve juste par rapport à ce que dit mon frère, c'est que ça manque beaucoup de dialogue entre nous, que ce soit avec mon frère et ma sœur et puis mes parents, parce que apparemment, quand mon père nous a donc avoué cet épisode, mes parents n'en auraient pas reparlé depuis le jour où ça s'est passé, cet épisode de prison. Mes parents n'en ont jamais reparlé, en tout cas dans leur intimité, dans leur vie de couple. Et c'est vrai que ça m'a fait bizarre, parce que ma mère s'est mise à pleurer pendant 1 heure en disant que elle-même aurait bien aimé en parler, mais n'a jamais parlé de ça avec personne. Donc c'est vrai que quand j'ai eu cette annonce, ça m'a... Enfin,
Oui, enfin, elle n'en a jamais parlé avec personne, mais on peut penser que si votre père a effectivement fait de la prison avec sursis, même dans l'entourage familial, il a quand même fallu justifier de l'absence de votre père. Oui, enfin, c'est-à-dire que c'est, ça fait, enfin, à moins qu'il ait un métier qui, parce qu'il ait des déplacements, mais non. Même dans son métier, ça a dû lui porter préjudice. Oui, mais c'est à part, enfin, de toute façon, de la, du côté de ma mère, ils ont, on va dire, pas soutenu ma mère et lui ont dit de se débrouiller toute seule. Mmh. Et que après, bon, elle, la seule personne avec qui elle en a parlé, c'est un psychologue. Le temps que mon père était en prison et un peu après. Et c'est vrai que par rapport, enfin, tout se recoupe puisque en fait, quand j'avais annoncé mon homosexualité à mes parents, ma mère est retombée comme elle l'avait été à l'épisode de la prison et retombée en dépression et repartie voir un psychologue et même un psychiatre. Et elle m'a dit que c'était à cause de moi qu'elle était redevenue en quelque sorte un petit peu mal dans sa peau. Et c'est vrai que tout... À l'annonce de votre homosexualité? Oui, c'est-à-dire que quand je leur ai annoncé, en fait, mes parents l'ont très très mal pris et ça a été ça a été très violent jusqu'à ce que je parte et qu'ils me demandent de revenir. Une heure après et c'est vrai que ma mère m'a dit voilà que elle l'acceptait pas et après on en a parlé deux semaines après cette annonce et elle m'a dit qu'elle était obligée de revoir le médecin puisqu'elle se sentait mal par rapport à ça et qu'elle était obligée de reprendre des calmants pour ça. Oui, enfin, vous voyez le lien qui est fait entre vous parlez de votre homosexualité. Bon. Oui. Et là-dessus, finalement, revient cet épisode du passé de votre père, de prison, bon, où finalement il aurait fait du sursis et où, d'après les dires, il n'était pas coupable. Mais vous voyez le lien quand même que vous pouvez faire, vous, comme si le fait d'être homosexuel, ça pouvait être assimilé à une faute. Oui. C'est quand même en vous écoutant là, je me dis, alors je ne sais pas comment vous pouvez l'assimiler, mais même là dans la réaction de votre mère qui vous dit, tu vois, à cause de toi, de nouveau, je suis mal. Écoutez, on n'est quand même pas dans le même registre que ça soit compliqué pour elle, qu'elle n'ait pas imaginé cela, c'est une chose. Mais enfin, vous ne lui annoncez pas que vous n'avez pas commis de crime. Mmh. Oui. Vous aimez les hommes, oui. Enfin, oui. Vous n'êtes pas un criminel. Oui. Je ne dis pas d'ailleurs pas plus que votre père, vous voyez, ne fais pas de lien non plus, mais ce qui est intéressant, c'est dans l'enchaînement, c'est-à-dire que, effectivement, tel que vous présentez les choses, qui est assez révélateur au fond, hein, c'est-à-dire, il y a vous qui parlez de votre homosexualité, là-dessus surgit le passé de votre père, et donc tout ça, c'est dans le registre de la faute. Mmh. On ne peut pas mettre ça au même niveau. Oui. Comme le dit Brigitte, votre mère, elle est responsable de ses états d'âme. Oui, oui. Après tout, bon. Après, ce qui s'est passé à ce moment-là, vous étiez bébé, vous ne savez pas, vous apprenez. C'est vrai que c'est toujours très perturbant d'apprendre des choses comme ça, surtout que ça relève d'affaires de mœurs, de choses bon qui les regardent, mais ils ont fait le choix, ils sont ensemble. Bon, voilà. Mais aujourd'hui, vous dites à vos parents quelle est votre vie affective, votre vie amoureuse. Bon, voilà, vous aimez les hommes. Écoutez, vous ne leur annoncez pas un drame. Mmh. Oui, je sais bien, oui. Mais comment d'ailleurs à ce propos, ce qui est étonnant, enfin étonnant et pas tant que ça, c'est souvent par quelqu'un souvent extérieur à la famille que les choses émergent. C'est l'ex-petit ami de votre frère qui a parlé de ça. Comment l'a-t-elle su, elle? Mais parce qu'en fait, donc la petite amie à mon frère, ils ont rompu donc il y a 10 mois. Et elle a voulu parler avec ma mère un petit peu et ma mère lors d'une elles ont pris le café
en ville, et ma mère lui aurait, dans la discussion, aurait parlé justement de ça en lui disant qu'il fallait relativiser la rupture, puisqu'elle, elle avait vécu beaucoup plus d'épisodes douloureux, et elle lui a parlé donc de cet épisode-là. Et après, moi, j'ai revu mon ex-belle-sœur qui est un peu en quelque sorte pour faire un chantage pour un peu mettre le désordre dans la famille, me l'a dit pour qu'ensuite après ben je puisse aller le répéter quoi. Mais après ce qu'il y a, c'est que j'en ai parlé encore ce week-end avec mon copain, puisque ça fait déjà 2 ans qu'on est ensemble, et que même si mes parents l'ont rencontré, à chaque fois que je rentre le week-end, j'en parle pas comme si ça n'existait pas, en fait. Comme si j'avais une double vie, une à Bordeaux en tant qu'étudiant, et une chez mes parents, j'arrive même à mentir à mes parents. Ils me demandent qu'est-ce que je fais ce week-end. Au lieu de leur répondre je reste avec mon copain, je vais leur inventer des histoires. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'ai envie de leur dire, tout simplement, ben, je suis avec mon copain ce week-end, mais il y a comme un blocage qui fait que j'ai pas envie de leur. Enfin, c'est pas que j'ai pas envie, mais. Enfin, je sais même pas. C'est une façon de vous protéger, de. Peut-être. De leurs questions, ou de, au fond, vous savez, de leur réprobation. Ben en fait, c'est un peu comme s'ils savaient que j'étais avec un garçon. Ils ne le connaissent pas, vous ne leur avez pas présenté. Si, ils l'ont vu cet été à l'occasion d'une soirée. Comment ça s'est passé avec ce garçon? Et mon père est parti furieux, est reparti à la maison. Il voulait pas en entendre parler, et ma mère est restée et a fait l'effort elle d'apprendre à le connaître et à le parler. Oui. Et c'est vrai qu'après, on en a discuté avec ma mère. Elle m'a dit, j'essaye d'en parler avec ton père, mais à chaque fois, il me dit, je ne veux pas en parler. Donc, elle essaye quand même de lui en parler maintenant. Elle essaye de lui parler de mon copain et de moi, mais à chaque fois, il lui dit, non, je ne veux pas parler de ça. Donc, c'est vrai que ça... Ça fait combien de temps que vous en avez parlé avec eux de... tout cela, il y a 9 mois, c'est ça à peu près, que j'étais homosexuel. Oui. Bien plus longtemps, c'est il y a au moins 4 ans. Oui, en effet. Au moins 4 ans, oui. Alors, il y a par rapport à ce qui a été dit là, il y a Isa et puis un autre auditeur qui me dit qu'il ne s'agit pas de sursis, mais certainement de détention provisoire. Sinon, oui, il n'aurait pas été en prison, hein, puisque là, vous dites qu'il avait été incarcéré. C'est ça. C'était pas de la préventive. Oui. Détention provisoire, oui. Détention provisoire, oui. Et tout ça est effectivement très perturbant, et le fait que ça tombe au même moment. Quand vous en parlez avec votre frère, vous êtes assez proche de votre frère. Mais comment ça se passe? Quel lien avez-vous? Mais il y a eu une période où on n'était pas du tout. On était très proche quand on était enfant, jusqu'à l'âge de 12-13 ans, enfin jusqu'à son adolescence, où là on s'est perdu de vue et on se parlait plus. Et c'est vrai que là, ça fait depuis l'annonce de la prison, depuis 9 mois. On essaie de se retrouver et justement de discuter, de passer des bons moments ensemble, que ce soit dans des soirées ou dans des discussions ensemble. Et c'est vrai que j'apprécie ça parce que on le dit tous les deux ensemble, c'est que on a l'impression, comme je disais tout à l'heure, qu'il n'y a pas un lien familial entre nous, que ce soit avec mes parents et entre lui et ma sœur. Il manque un lien et lui-même en est conscient, puisque lui-même dit que tous ces problèmes qu'il a eu à l'adolescence sont en quelque sorte dus à ce manque de lien entre nous, membres de la famille. Oui, mais ce manque de lien, est-ce que vous pensez pas aussi qu'il y a quelque chose qui est lié à cette histoire, à ce secret au fond? Qu'il y a eu, c'est à ce tabou, à cette
tâche, au fond, hein, je vais employer le mot, dans l'histoire familiale de prison, même si votre père a été innocenté. Bon, oui. Quelque chose qui n'a pas été parlé et qui a dû être très difficile. On peut demander, il y a des choses à interroger là-dessus. Mais c'est vrai que moi, j'ai envie d'une démarche qui est d'aller les voir avec mon frère et de leur dire, voilà, on a envie de discuter tous ensemble comme une vraie famille et de poser les choses au clair, mais c'est bête, mais j'arrive pas à trouver ce courage, tout comme mon frère n'arrive pas à trouver ce courage. Mais vous savez, je ne sais pas s'il s'agit de courage. Je crois que c'est compliqué, Nicolas, parce qu'au fond, quand il y a un tel secret, ça rejaillit sur tout le monde. Et au fond, vous ne vous sentez pas autorisé à en parler. Donc, on lève pas des secrets de famille comme cela. Donc, il ne faut pas vous en vouloir de manquer de courage. Oui. C'est que vous avez grandi dans ce climat-là. Oui. Et puis, pour le moment, déjà, les relations sont compliquées, comme vous dites, du fait de ce que vous vivez. Donc, vous avez aussi à vous occuper de vous, de votre vie. Et peut-être qu'avant, il serait bon de parler un peu de vous, de votre vie, de démêler tout cela avec quelqu'un de plus neutre. Oui. Mmh. Parce que le côté, mettons-nous autour d'une table et parlons, on va faire sortir les non-dits, les secrets. Vous voyez, ça peut être l'ambiance à la Festen. Je ne sais pas si vous avez vu le film. Non, mais je... Non, écoutez, ça tourne au cauchemar. Hein. Oui. C'est un film comme ça sur les secrets familiaux et bon... Le repas familial tourne vraiment au drame, donc c'est pas quelque chose qu'on peut conseiller comme ça, de dire, on va se mettre autour d'une table et on va parler et on y va et on met tout sur la table et on déballe. Oui. Je crois qu'avant tout ça, c'est important de pouvoir déjà être un peu au clair avec soi-même. Et vous ne pouvez pas l'être parce que ça concerne quelque chose qui a été caché volontairement, qui concerne le couple de vos parents, qui concerne l'intimité sexuelle de vos parents, donc qui ne devrait pas vous concerner, là où vous-même, vous êtes en plein, vous, dans la construction de votre vie affective, sexuelle, et où vous êtes aussi en pleine recherche, en plein questionnement, et où après tout, pour le moment, c'est votre vie. Bon, votre mère est plus à l'écoute, votre père ne veut pas en entendre parler. Bon, ça peut évoluer. Écoutez, pour le moment, tenez-vous un peu à l'écart de tout ça. Après tout, vous avez une relation avec votre petite amie. Pour le moment, c'est ce qui compte. Et rapprochez-vous peut-être, allez voir, on va vous donner des coordonnées d'associations au standard qui vont pouvoir un peu vous aider, vous contacter, peut-être vous mettre en contact avec des personnes qui vont pouvoir un peu vous soutenir, vous aider. Parce qu'il y a des choses à démêler. D'accord. Donc, y a un peu trop de choses là, et c'est ce qui explique que vous ayez des difficultés à aller comme ça parler à vos parents. C'est certainement pas lié à un manque de courage, Nicolas. D'accord. C'est pas de ça dont il s'agit. Oui. D'accord. Oui. On va vous donner les coordonnées de l'association Contact hors antenne. Hein, ne raccrochez pas. Oui. Il y a quelqu'un qui dit « Le dénominateur commun entre ce jeune et son père vient de la peur d'être jugé. Je suis gay, j'ai joué à l'enfant modèle moi-même. » Oui. En tout cas, merci de votre appel et ne raccrochez pas. Quentin va vous communiquer les coordonnées. D'accord. Oui. Au revoir, Nicolas. Merci, au revoir. Un mail de Michel qui a témoigné dans l'émission déjà et qui voulait encourager Nelly à chercher ce que cache son anorexie. Michel dit elle continue peut-être à écrire le roman familial. Michel a témoigné le 9 juillet. Elle nous parlait de l'histoire de sa mère qui avait été condamnée à 10 ans d'indignité nationale. Elle nous parlait à ce moment-là, elle nous disait que c'était pour collaboration
horizontale, comme on l'appelait alors. Michel a eu accès aux archives. Elle a été incapable, dit-elle, de rentrer chez elle après la lecture du dossier. Elle continue néanmoins les recherches, car sa vie, nous dit-elle, n'est que la répétition de l'histoire de sa mère sous d'autres formes. Michel dit qu'elle doit tout savoir pour donner du sens à un passé qui la poursuit le jour et la nuit. Et puis un message de Georges qui me dit « Alors quand est-ce qu'on fait la fête, Caroline ? Le 9 décembre, c'est ça ?» Et oui, c'est ça. J'en reçois des messages, vous n'avez apparemment pas tout compris, mais rassurez-vous, on va vous en parler. Il y a un mois maintenant, voilà, jour pour jour, le 9 décembre, on va faire la fête pour célébrer cette décennie d'émission. Vous pouvez d'ores et déjà nous laisser vos plus jolies histoires au 39-21, nous dire peut-être ce que ça a changé dans votre vie, de témoigner dans cette émission, ce que ça a changé sur un plan personnel, ce que ça a changé dans votre couple. Peut-être avez-vous fait des rencontres. Je me souviens d'une personne qui s'était mariée parce qu'elle s'était rencontrée via l'émission. Alors pourquoi, j'aimerais bien vous avoir en ligne ce soir-là. Sur le plan familial, sur le plan amical, peut-être des échanges avec d'autres auditeurs vous ont permis d'avancer. On aimerait bien des histoires comme ça, de jolies histoires. Vous avez témoigné, vous avez appelé. Ça a un peu changé, voire bouleversé votre vie. Venez nous le dire au 39-21 si vous avez envie de nous laisser des messages d'anniversaire, nous dire pourquoi vous aimez l'émission, pourquoi vous êtes à l'écoute. Même chose, 39-21. Je reçois déjà beaucoup de mails, mais laissez-nous plutôt des messages comme ça en direct, parce que ce soir-là, on va les diffuser dans l'émission. Et puis, les jolies histoires seront retenues et vous pourrez vous exprimer en direct dans l'émission. Georges me dit, est-ce que pour la fête, Fifi va amener ses copines ? Mais non, il n'y aurait pas assez de place, Sa Majesté. Allez, on va accueillir Fifi qui arrive en courant pour me dire, oui, il faut vous laisser guider pour arriver sur le répondeur de l'émission, parce que là, il reste encore 10 petites minutes. Sinon, c'est Quentin et Justin qui vont vous répondre. Et puis demain, dans la journée, vous attendez bien de tomber sur le répondeur de l'émission. Vous allez tomber, l'émission Caroline Dublanche. Voilà. Quelqu'un me dit, le 9 décembre, l'émission est donc Sagittaire comme moi. Ben oui, voilà, exactement. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Je me dis que j'aurais dû appeler pour le 9 décembre. Ben vous pourrez nous rappeler Frédéric. Ben oui, parce que en fait je voulais déjà rebondir sur le témoignage de Nelly. Par rapport à ses études brillantes, quand elle disait qu'elle avait l'impression d'avoir rien fait de spécial et que tout lui tombait. Vous savez, je suis la personne qui avait passé le DAEU et qui a eu ce diplôme. Oui. Et puis à chaque fois, je me disais c'était pas possible, que c'était un coup de chance et puis que j'y croyais pas et que j'avais pas ma place. Oui. Et puis cette émission m'a quand même servi, parce que si j'avais pas appelé, je sais que si j'avais jamais appelé ce soir-là, je serais encore à la même situation. Mais je voulais lui dire en fait que tout s'est décoincé le jour où j'ai trouvé mon premier emploi. Et où en fait j'ai eu confirmation que oui, j'étais fait pour ça et que c'était pas un coup de bol, que tout ce que j'avais appris, j'avais vraiment, que aujourd'hui je me sers de tout ce que j'ai appris, quoi. Et vous avez changé entre temps, parce que j'ai passé mes diplômes jusqu'à être éducateur spécialisé. Oui. Donc j'ai été jusqu'à la licence. Oui. Suite à, après à ma licence, j'ai passé mon concours d'éducateur spécialisé et puis j'ai eu mon diplôme l'année dernière et j'exerce depuis un an maintenant en Seine-et-Marne. Oui, c'est génial. Ouais. Et en plus, c'est vrai que je me souviens très très bien de vous et du fait qu'à quel point à ce moment-là vous doutiez de le DAEU, c'est l'équivalence. Grâce à vous, vous dites que non à chaque fois, mais moi je dis que si. Parce non, que... mais non, attendez, c'est pas moi qui ai passé les examens, hein, Frédéric. Si j'étais même. Vous l'émission, je vous aurais jamais appelé, j'aurais jamais eu le courage parce que tout le monde me déconseillait de le faire. Je sais, mais je me souviens sais très bien. Vous êtes la première personne à m'avoir dit si, faites-le, et sinon je l'aurais jamais fait. Oui, enfin, écoutez, c'est quand même vous qui, à un moment, êtes allé vous inscrire et puis qui êtes allé passer les examens. C'est pas moi qui remplissais, qui répondiez aux questions à votre place. Ah non, mais vous m'avez c'est-à-dire qu'au départ, quand j'ai eu l'envie de reprendre, c'était tout le monde me dissuadait de le faire, évidemment. J'avais arrêté l'école à 16 ans.
en me disant que j'avais aucune connaissance scolaire, ce qui était vrai, c'est quand je vous ai appelé et vous m'aviez dit, je me rappelle toujours, je me rappelle, c'est comme si c'était hier, vous m'aviez dit, mais de toute façon, si vous le faites et que vous le loupez, au moins vous saurez, mais si vous le savez, si vous le faites pas, vous allez rester là-dessus toute votre vie et vous ne saurez jamais. Oui, puis enfin, je veux dire, vous étiez tellement jeune. Enfin, j'avais 23 ans. Mais oui, c'est ça, 23 ans, c'est il y a tellement de choses. C'est ce que c'est pour ça, et je comprends que vous réagissiez au témoignage de Nelly. Quand je dis la vie l'attend, quoi. C'est ça, c'est j'entendais, c'était certainement pas minimiser en aucun cas mon propos, la douleur qu'on entendait qui était là, oui, qui était moi, je me perceptible. Suis à travers elle, mais parce que il y a eu un fossé qui s'est creusé, un positif et négatif, c'est-à-dire que j'ai dû prouver aux yeux de ma famille que effectivement j'avais repris mes études parce qu'ils m'ont connu. Et du coup j'avais l'impression que la personne que j'étais n'était pas celle d'avant. Et auprès de mes amis, leur parler de mon passé, c'était un peu honteux, donc j'avais un passé que je cachais. Et je vous dis que tout s'est décoincé quand j'étais éducateur. Déjà, j'avais plus besoin de parler de mon passé auprès de mes amis. Oui. J'étais éducateur, j'avais fait des études. Bon, on ne se pose pas la question, quand vous dites que vous êtes éduc, c'est qu'il a fait des études. Et parce que tout c'était. Le problème, c'est quand j'étais étudiant et quand on est étudiant à 27 ans, les gens vous demandent, mais pourquoi tu es étudiant à 27 ans ? Donc il fallait tout le temps repartir en arrière. Maintenant, je dis plus je suis éducateur, quoi. Et pour ma famille, depuis que je suis éducateur, eh bien, le poste est là, donc il existe, j'en parle, et il n'y a plus cette notion de est-ce qu'il fait des études pour de vrai, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Donc, allô ? Mais alors, moi, ouais, qu'est-ce que j'ai envie de dire ? Bon, alors, tant pis, les amis de la nuit vont dire, ah, on connaît cette voix, on a suivi Frédéric, il était tout petit, il n'avait pas encore le DAU, c'était pas, oui, on va dire, il poursuivait pas le DAU dans la forêt, mais maintenant, voilà, il est éducateur spécialisé et il aide les autres. Bah, tant pis, on aura le plaisir, j'espère, de vous avoir avec nous le 9 décembre. En tout cas, je vous écoute toujours, je vous écoutais avant, je vous écoute toujours. Ouais, c'est super, vous êtes. Et mon boulot me plaît énormément, je vous jure que. Mais c'est ça qui est génial, c'est qu'en plus vous aimez ce que vous faites, vous êtes pas trompé. J'aime la vie, du coup tout s'est décoincé. Bon, on se dit au 9, alors vous me laissez quand même un petit message, on en parle, hein. Je compte sur vous. Parce que j'ai pas trop compris l'histoire du répondeur sur. Mais c'est un répondeur, ne raccrochez pas, Quentin va vous expliquer, d'accord ? Il va vous l'expliquer hors antenne. Je vous embrasse, Frédéric. Moi aussi. Au revoir. Au revoir. Christophe Maé, pourquoi c'est beau ? Un petit message du Subversif qui dit, pour fêter cette décennie, pourquoi ne pas compter l'incroyable odyssée de Sa Majesté Georges Ier ? Pourquoi pas, mon cher ami, si vous venez nous la conter, avec Sergio peut-être qui jouerait les ménestrels. Allez, je vous embrasse, très belle nuit à vous, faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h, vous écoutez Europe 1, c'est l'heure des informations présentées par Pierre Courade.